Bon, mais là, ça a l'air que c'est Hubert Brun qui se fait interviewer à soir. Après une victoire, puis 4-2 contre les Prédateurs de Laval, comment tu trouves ça? Ah, ben, c'est sûr, on a joué une bonne game à soir, on était intense, on a joué trois périodes, on n'a pas. On a tendance à, quand on a le lead, des fois s'endormir dessus, puis je pense que ce soir, on a travaillé jusqu'en fin de période, là, puis on est sorti de là avec les deux points, puis c'est ça qu'il fallait. Ce que j'ai trouvé de ta part ce soir, c'est que tu n'as pas rentré dans l'indiscipline des prédateurs. Tu as joué ton match, puis j'ai cru voir deux, trois chances de ta part de marquer. C'est-tu possible? Ouais, c'est ça. Passer ce score-là, ça a l'air, là, mais on travaille là-dessus. Là, mais c'est ça, on travaille pas en notre ligne avec Veilleux et Gartin, puis ça va super bien. Là. On amène de l'énergie, puis on a des chances de score avec les games. C'est sûr que ça va déboucher, là, c'est sûr. Là. Ciel. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi, c'est que cette semaine, il y a eu un reportage de Gabriel Gignac, si je ne me trompe pas, dans le en Beauce, tout. Ça parlait du côté pugilistique, mais du côté de ta famille, familiale aussi. Il y a deux côtés à ça, le côté pugilistique. Puis, je trouve ça génial la part de Gabriel d'avoir fait ce reportage. Ah, c'est ça, Gab, il est bon pour nous autres, puis il nous fait de la belle pub pour la Ligue, puis pour les gars de la Beauce, puis c'est un bon Jack, puis c'est un bon entrevue encore. Hein. Ouais, mais je pense que derrière le côté pugilistique, le côté de l'homme, puis ça c'est bien important. Je pense que tu l'as l'affaire. Ouais, bon, on a toute une vie en dehors de hockey, on fait notre job sur la glace, puis quand c'est fini, ben c'est fini. Tu l'as pas eu facile, hein? Non, ben, c'est pas tout à fait facile, là, mais on travaille fort, on sort de la tête fort, de la tête haute. Je voulais te dire merci pour l'entrevue, puis c'est tout en ton honneur. C'est plaisir. J'ai aimé l'article, puis je l'ai lu, puis je la relis et la relis. Puis qu'est-ce que je voulais dire, Hubert, c'est que je t'aime beaucoup. J'ai un grand respect pour toi. Joël va peut-être revenir dans les. Puis ce que je voulais dire, c'est de passer des super bonnes fêtes avec ta petite famille, ta femme, ton petit, ta petite, tout le temps. Bon, mais merci pour l'entrevue. Joyeuses fêtes à tout le monde aussi, puis à tous les partisans. OK. Merci, au revoir. Right, good. Merci, mon chum. Salut, Hubert.